Alors après, je suis pas sûr. Et la foule des bourgographes se croyait la plus forte. Tout ça n'empêche pas Nicolas, que la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas, que la commune n'est pas morte. Comme les faucheurs rasent un pré, comme on abat les pommes, les Versaillais ont massacré pour le moins 100 000 hommes, et les 100 000 assassinats, voyez ce que ça rapporte. Tout ça n'empêche pas Nicolas, que la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas, que la commune n'est pas morte. Ils ont fait tête de bandit, comptant sur le silence. Achevé les blessés dans le lit, dans leur lit d'ambulance. Et le sang inondant les draps, ruisselait sous la porte. Tout ça n'empêche pas Nicolas, que la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas, que la commune n'est pas morte. On a bien fusillé par l'influence du Val-Milière, Federico Toni Poilin qu'avait le cimetière. On croyait lui couper les bras et lui vider la horte. Tout ça n'empêche pas Nicolas, que la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas, que la commune n'est pas morte. Les journalistes, policiers, marchands de calomnie ont répandu sur le charnier leur flot d'ignominie. Les maximes du camp, les tubas ont vomi leurs eaux fortes. Tout ça n'empêche pas Nicolas, que la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas, que la commune n'est pas morte. C'est la hache de Damoclès qui plane sur leur tête. À l'enterrement de Baïs, ils étaient tout bêtes. Mais dès qu'on est un fierteur, à lui servir d'escorte. Tout ça n'empêche pas Nicolas, que la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas, que la commune n'est pas morte. Bref, tout ça prouve aux combattants que Marianne a la peau brune, du chien dans le ventre et qu'il est temps de crier « Vive la commune !» Et ça prouve à tous les Judas, si ça marche de la sorte. Tout ça ne n'empêche pas Nicolas, non, c'est pas ça, c'est non. Ils sentiront dans le nom de Dieu que la commune n'est pas morte. Ils sentiront dans le nom de Dieu que la commune n'est pas morte. Oh, Jean-Luc, merci.